Ok. Ça s'appelle quoi la monarchie? Eh, mais c'est qui ça? On ne s'en pas comme ça. Il est revenu. Ça rentre, on fait très attention, s'il vous plaît. Thank you.
pas de professeur à former les présidents de la République, chef de l'État. En tout moment, dans les très grandes fonctions de premier ministre, chef du gouvernement, que le tout-puissant Allah vous protège et vous guide au pas. Amen. Excellence, monsieur le premier ministre, chef du gouvernement, la préfecture de Beauté, que vous avez l'honneur de visiter ce matin, comme une population totale de 4449 habitants, dont 2227 286 femmes, repartis à la petite collectivité. Elle est le chef de la région administrative du même nom. L'amélioration des conditions de vie de notre population étant une préoccupation constante du chef de l'État, c'est dans le cadre de ce cadre que a été créée une zone économique spéciale, entraînant ainsi une implantation de plusieurs sociétés minières, dont 6 sont en phase d'implantation aujourd'hui. Il est important de rappeler, monsieur le Premier ministre, que l'organisation des fêtes tournantes de l'anniversaire de notre indépendance a été vivement saluée par les braves populations de notre pays. Beauté a été la première région à bénéficier de cette belle initiative. Ainsi, les réalisations faites à cet effet sont les suivantes. Le siège du dépôt pharmaceutique de la région. 2. Les installations de la gare routière. 3. Le marché de 400 logements. 4. L'hôtel de la Réunionnaise. 5. Le village communautaire. Et enfin 6. La place des martyrs qui nous abrite maintenant. À cette époque, s'ajoutent les constructions d'importants édifices administratifs, notamment le bloc administratif du gouvernement de Bouguet, le siège du tribunal de première instance, le bâtiment du conseillère Sarah, le bâtiment de la mairie de Bouguet, la succursale de la banque Sarah, la résidence de monsieur le gouverneur de Bouguet, la maison de jeunes de Bouguet, le bloc administratif de la préfecture, les gares résidentielles, les villages de l'artisanat régional de Bouguet. Excellence, monsieur le Premier ministre, vu la réalisation de cette petite infrastructure, nous vous rassurons que les populations de Bouguet renouvellent leur soutien au professeur Alpha Condé, président de la République, chef de l'État, pour sa vision d'une Guinée émergente. Excellence, monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, votre leadership, votre forte personnalité font de vous l'homme qui traduit le mieux la vision et les ambitions profondes du chef de l'État. Cependant, les braves populations, pas par nombre, attirent votre haute attention autour de cet élément de préoccupation, à savoir 1. L'achèvement des infrastructures dont les réalisations ont été entamées lors de 1996 de notre indépendance à Bobité. Donc, le siège de la gendarmerie de Bobité, le lycée d'excellence, la clôture de l'enceinte du bloc administratif du gouvernement à Bobité, la clôture des cases présidentielles, le bloc de la trésorerie régionale. 2. Les problèmes liés à la desserte en courant et électrique, et à notre programme de la commune urbaine de Bouguet. 3. La construction, toujours
en attente bientôt 2 ans de la route de contournement. Je dis bien de la route de contournement. 4. La délégation poussée de la problématique. 5. La gestion de la problématique de la gestion de démographie liée à l'insertion simultanée des sociétés minières, entraînant le problème de logement et de déchets de vie. La situation de l'emploi à vos côtés, comme dans beaucoup d'autres professions minières de notre pays, est caractérisée par la non-adéquation entre les offres d'emploi et la qualification de la main-d'œuvre locale. À ce sujet, la formation qualifiante de la jeunesse est vivement sollicitée. Pour terminer, Monsieur le Premier ministre, nous vous rassurons de la disponibilité totale des autorités de l'administration de beauté à soutenir le projet de société de à Patronie. Pour une vie économiquement vive, prospère et éternelle, que Dieu, le doux de Jésus-Christ, facilite l'accomplissement de vos en faveur du peuple de Dieu. Vive le professeur Apafondé, président de la République de Guinée, chef de l'État. Vive le professeur Apafondé, de la République de zone économique et sociale, je vous remercie. Nous envoie
de la population. Principalement, je suis heureux de le dire, Bobo-Dioulasso est au cœur de ses préoccupations. Ce n'est pas simplement des relations de cœur, parce que il a vu ses premiers jours dans sa vie. Mais c'est aussi un attachement de raison. Bokke est le poumon économique de la Guinée. Bokke regorge le tiers des réserves mondiales de bauxite. Bokke seul. 5 milliards de tonnes sur les 75 milliards estimés dans le monde. Le gouvernement vient à votre écoute pour mieux comprendre ce qui se passe, pourquoi, malgré la clarté des orientations du professeur Alpha Condé, malgré les orientations au gouvernement pour tenir compte des préoccupations des populations, pourquoi jusque-là le progrès tarde à venir à Bokke? Pourquoi la jeunesse de Bokke trouve dans le chômage? Pourquoi du mal à faire son chemin? C'est pour cela que j'ai mon premier message s'adresse à nos partenaires des sociétés minières. Le contenu local est un axe majeur de partenariat pour celles des sociétés qui veulent dans la durée entretenir un partenariat sain avec le gouvernement guinéen. Nous voulons que le travail et l'exploitation des sociétés minières profite en premier lieu aux natifs des régions minières. Nous voulons que vous participiez à la formation, au perfectionnement de la jeunesse, parce qu'il ne faut pas se le cacher. Il y a un gap, hélas, entre les capacités d'emploi et l'employabilité de la jeunesse de Bokke. Le gouvernement a conscience de ce gap. Nous allons investir dans l'éducation. Je suis là parce que l'une des raisons de le bureau stratégique à la primature inaugure des classes additionnelles pour la formation et le perfectionnement de la jeunesse bokke à l'entrepreneuriat. Je remercie au passage la coopération avec Abu Dhabi, dont le soutien a été crucial pour mettre en place ce projet. Je voudrais donc donner une note optimiste, dire à la jeunesse de Bokke, aux femmes de Bokke, que vous ne serez pas laissé pour compte. Nous savons qu'il y a des problèmes. Je vais vous dire tout de suite. La délégation va passer presque 3 jours à Bokke. Nous donnerons l'occasion, en dehors de cette tribune, de recevoir vos représentants pour une meilleure prise en compte de vos préoccupations. Je veux vous rassurer que
absolument tout ce qu'on a fait pour que les données changent. Je félicite Gauthier pour avoir fini avec l'élection de l'exécutif communal. Je félicite au passage le maire élu, mon très cher frère. Je voudrais vous rassurer que la contribution au fonds de développement économique est finie pour voter. À l'instar des autres, cette contribution sera mise à la disposition des élus locaux dans la transparence pour tenir compte de vos préoccupations et investir dans l'amélioration des conditions de vie et du cadre de travail des populations de Bourguignon. Ce n'est pas tout. Le président de la République, le saint de Bourguignon, après avoir ramené la Guinée à la stabilité macroéconomique, après avoir réglé le problème de notre endettement extérieur, il a chargé le gouvernement Kassori de s'occuper des préoccupations élémentaires des citoyens. À ce titre, dès la fin de l'année, les élus locaux de toute la République, les exécutifs communaux de toute la République seront invités par le président de la République pour présenter le plan de développement local qui l'a pour la Guinée, qui l'a pour les collectivités locales. Ce plan est en addition du fonds de développement local dont je viens de parler tout à l'heure. Je voudrais donc rassurer la jeunesse, les populations de Bourguignon, que le climat de paix et de sécurité doit être préservé à tout prix. Je peux comprendre que les sociétés minières que Bourguignon abrite sont devenues le patrimoine de Bourguignon. C'est les actifs de Bourguignon parce qu'on ne déplacera plus les bâtiments construits. On ne déplacera plus les infrastructures construites et reste à Bourguignon. Nous avons donc le devoir citoyen de préserver la paix, de prendre soin de ces acquis qui sont notre propriété et qui sont partie intégrale du patrimoine de la ville de Bourguignon. Lorsque j'aurai reçu cet après-midi et demain vos représentants, alors nous aurons une feuille de route qui les permette aux populations à travers vos représentants et au gouvernement de mieux cerner les préoccupations et de mieux les adresser dans le temps. Je voudrais rendre hommage, avant de terminer, à vos enfants qui font la fierté de Bourguignon. J'ai nommé le général Maturin qui dirige la position. J'ai nommé Kouba Sampi qui est aujourd'hui un des opérateurs dans cette région. J'ai nommé Mimi Kumbasa, qui est à la attentive. J'ai nommé votre maire Tawel, qui est à votre tour.
ne peux pas nommer tout le monde. Je voudrais adresser mes sincères souhaits de retour à la santé à votre préfet. Donc, ceux qui ne savent pas, c'est un ami d'enfance. Donc, je connais Pouquet autant que la plupart d'entre vous. S'il est passé une partie de ma temps d'enfance, bien du gouvernement, si je les ai. Avec votre tradition, je vais parler dans une langue que j'aime beaucoup. La langue sous-titrage. Bokekae, Bokepolike, Bokepolie, Bokekine, Barouagou, Barayana Moura, Barawanwasa, Bokekine Hamaseki, Mbari, Fera Nangi Bari, Oma, discours remené. Le gouvernement n'est pas tout d'abord, le gouvernement n'est pas souri. Vous connaissez que le parlement, n'a pas séné, mais le gouvernement, mandat n'a pas souri mourir. Le professeur n'a pas connu, n'a pas souri mourir. Ah, bah, la matrice est l'origine, pas la hâte. Avant, à la fin de la Donc, c'est bien.
Ici, les entreprises donnera des conseils quant à la nature des entreprises et toute autre chose dans ses prérogatives et donc dans sa mission. L'AGIP travaillera à accompagner les demandeurs d'emploi qui sont les diplômés, que ce soit des supérieurs ou des techniques, à être outillés également, à avoir des formations complémentaires, à améliorer leur employabilité, à partager des informations sur des formations sur le marché de l'emploi pour qu'ils soient à même d'aborder des séances de recrutement. L'ONPP également travaillera à accompagner les groupements, à accompagner les initiatives liées aux formations. Et donc, on a remarqué que le fait que chaque structure travaillait à son niveau était à un niveau, un frein, atteint les résultats qu'il faut pour mieux cerner la problématique de l'emploi et de l'entrepreneuriat. Et donc, ce qui est cher au gouvernement, c'est de se préparer maintenant à être des services qui sont en consortium. Et donc, l'État se met en consortium pour arriver à, si tu veux, exécuter des programmes, que ce soit de l'État ou des bailleurs de fonds et des institutions.
seront nombreux les gens de Bokeh. Nous allons venir à l'excellence, à l'Institut de Bokeh, vous écoutez le message. Alors, ce centre-là appartient à la région de Bokeh. On a dit centre pilote. Nous voulons bien être à même de se préparer à tout ce qui est aujourd'hui contenu local. Prévu par le code minier, tout ce qui est accompagnement par rapport à la présence des entreprises ici, aux droits des autochtones, aux droits de la jeunesse de Bokeh. Donc on a choisi Bokeh comme centre pilote, mais sachez que c'est un centre qui va aller dans l'ensemble des régions et nous sommes en train de, nous commençons à travailler, après on fera une évaluation, peut-être sur les autres régions, ça nous apprendra de nos horaires à mieux faire, mais l'idée c'est d'avoir un centre pilote et puis faire une extension sur les autres régions. La sécurité n'a pas de prix. Comment sécuriser les biens des citoyens de Bokeh, comment sécuriser les personnes citoyennes de Bokeh, c'est notre priorité. Notre priorité, c'est l'assainissement du cadre de vie. Un cadre de vie qui n'est pas assaini, c'est la maladie. Et quand la maladie, ça peut être de conséquence quelque chose, ça c'est notre priorité. Notre priorité, c'est quoi? C'est les infrastructures. L'eau, courant, la voirie de Bokeh, des centres de santé, tout ce qui est lié à la santé, tout ce qui est lié à l'éducation, feront partie de nos priorités. Et ensuite, c'est quoi notre priorité? C'est comment organiser la jeunesse et les femmes par rapport aux activités lucratives de revenus permettant à ceux que ces femmes et ces jeunes puissent avoir une certaine autonomie, soit dans leur formation, pour qu'ils puissent s'organiser en groupement d'intérêt économique. Et ayant des formations déjà les permettant d'être des gestionnaires pour que elles-mêmes, cette jeunesse et ces femmes-là puissent, c'est-à-dire, se créer leur propre société par rapport à tout ce qui va dans Bokeh aujourd'hui. Bokeh aujourd'hui a été érigé à une crise sociale et économique. Nous avons beaucoup d'activités à Bokeh qui vont se faire. Chacun trouvera sa part dedans. Et tout ce qui a été passé devant, avec ces différentes grèves ont été, c'est-à-dire, un seul moment spontané de la part de la jeunesse par rapport à nos soutiens de la ville de Bokeh aujourd'hui. Ceux qui ont connu Bokeh avant, vous êtes jeunes aujourd'hui, mais Bokeh, regardez nos voitures de Bokeh aujourd'hui, comment elle est aujourd'hui. Et quand la population qui voit qui est presque analphabète, tout ce que les sociétés là sont en train de faire à Bokeh, et que nous voyons dans notre ville encore, on est dans cette situation-là, c'est ce que fait la ville de Bokeh. Et quand les enfants n'ont pas de l'emploi, c'est des problèmes. Donc nous, à notre temps, nous ferons tout par la grâce de nos grands-parents, par la grâce des prières. Et dans un Kakendé uni, ensemble, nous serons à l'écoute de tous les citoyens de Bokeh et tout sera déterminé par le conseil communal qui doit faire les délibérations par rapport à nos conseils. Et ce que nous allons arrêter là, le maire n'est qu'un simple manager d'une équipe, et les décisions proviendront de l'ensemble des conseillers. C'est ça que nous pouvons imprimer à Bokeh et que dans quelques années, que nous voyons que Bokeh sera la meilleure commune urbaine de la Guinée. Et ça, c'est notre souhait, c'est notre vœu et nous pensons qu'avec les prières de nos parents, nous pourrons aboutir à ça. Monsieur le maire, une question bonus. Oui. On a vu le Premier ministre hier vous féliciter à la tribune deux fois et ça vous a plu parce qu'on vous a vu, vous lever votre main droite vers le public. Et vous dites que le chef de l'État est votre frère. Ensuite, le RPG, c'est votre parti. Oui. Est-ce que cette connivence, est-ce que ce rapprochement avec l'exécutif ne va pas vous empêcher à porter la vraie voix des gens de Bokeh qui demandent de l'électricité, qui demandent des infrastructures et qui n'ont pas tout ça malgré la bauxite et tout ce qui existe ici? Notre mission, c'est comment développer Bokeh. Notre mission, Bokeh unie d'un seul panier, est en face du développement de la commune de Bokeh. Le Bokeh doit avoir des ressources. Et avec ces ressources, avec une bonne planification par rapport au choix des populations, à leurs besoins, si c'est arrêté au niveau du conseil communal, nous pouvons changer Bokeh. Ce n'est pas l'église qui va. Le conseil communal est libre. Si les fonds se mettent à notre disposition, c'est lui qui envoie nos projets à HO. Et nous allons incarner cette commune, une bonne gestion et dans la transparence. Tu peux être en mal avec l'exécutif, c'est lorsque c'est-à-dire vous faites une mauvaise gestion. Et ça, je rassure Bokeh pour ça. Je rassure le gouvernement par rapport à ça. Tous les fonds qui viendront pour le compte de cette commune urbaine, les fonds seront gérés de façon minutieuse
et à l'avantage de la population de Bokeh. Ça, c'est notre mission. Et aucun problème ne pourra me faire dévier sur ce chemin-là et l'ensemble de mes conseillers. Ça, mettez-vous à l'aise. Vous venez des années encore à venir. Vous venez voir ce que nous avons pu faire. Ça, c'est notre mission et ça, nous allons l'assumer. Vous devriez co-gérer la commune avec l'UFDG. Et quel va être, qu'est-ce qui va être, comment est-ce que vous allez collaborer justement? Non, la commune est gérée par les citoyens de Kakané. Ce conseil communal est accompagné des fils de Bokeh, ça s'appelle le parti politique. Chacun a son parti politique ailleurs, mais ce conseil communal, tous les fils de Bokeh, Bokeh est notre parti politique, c'est ce que nous devons développer. Je ne veux pas qu'on parle de l'FDG. Nous sommes de Bokeh ici. Bokeh aujourd'hui, l'FDG est très fort à Bokeh. Mm-hmm. Est très fort à Bokeh. RPG est aussi fort. Mais avec le comportement de certains cas du RPG de Bokeh, ça fait qu'aujourd'hui RPG a perdu le terrain. C'est ça le problème. Donc moi je veux entendre dans ce conseil communal les enfants de Bokeh, leur parti politique c'est Bokeh pour son développement. Merci. Merci monsieur le maire. C'est moi qui... Un personnage jeune
motivée et engagée pour la cause nationale. GDM a obtenu son permis d'exploitation en 2018. La sous-préfecture de Malapouya d'Amboké est notre périmètre actuel d'opération. GDM, nous y avons effectué des investissements en vue d'aboutir à la découverte d'un gisement de bauxite économiquement rentable. Et le 1er février 2018, notre compagnie a exporté et mis sur le marché international sa première tonne de bauxite. Un tournant majeur dans l'histoire de l'exploitation minière en République de Guinée. À ce jour, plus de 800 tonnes de bauxite ont été exportées. La GDM veut être un acteur majeur dans le domaine minier en Guinée. Elle entend créer une prospérité économique pour le peuple de Guinée en général et celui de Boké en particulier. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, nous avons à l'esprit votre promesse de rendre la croissance guinéenne robuste en atteignant la barre des deux chiffres. Nous partageons votre optimisme. Mais vous conviendrez avec nous que ceci n'est pas possible sans le soutien et l'encouragement fort de l'État aux acteurs et promoteurs du secteur national productif. C'est eux qui créent les emplois et répartissent la richesse nationale. À GDM, nous visons à mener nos opérations en toute intégrité selon nos valeurs dans le respect des lois et principes de la politique minière en rigueur en République de Guinée. Nous travaillons aussi à répondre aux attentes et exigences de nos clients, partenaires commerciaux, communautés locales. La GDM compte produire et exporter entre 1,5 million à 2 millions de tonnes de bauxite par an. Le programme provisoire établi prévoit un minimum de 1 à 2 bateaux par mois. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, la GDM s'est engagée à faire de l'emploi et de l'entrepreneuriat une priorité conformément aux recommandations du contenu local et des textes de loi en vigueur. La Guinéenne des Mines mettra en place un programme offrant une formation technique aux communautés locales pour davantage améliorer les compétences locales et favoriser l'employabilité des résidents pour l'accès à des postes de responsabilité dans le processus d'exploitation. Déjà, j'ose vous dire qu'un centre de formation et de perfectionnement pour tous les employés est en phase de construction ici même à la base logistique où nous nous trouvons. La société emploie à nos jours 300 personnes, y compris les sous-traitants. 90% des employés sont issus des collectivités locales directement ou indirectement impactées par le projet. Excellence, Monsieur le Ministre, Excellence, Monsieur le Premier Ministre, les deux partenaires qui assurent le transport à GDM sont de Boké. Je veux citer ici CMC Transport et Bomatrans. À cela s'ajoute Tomba Sécurité, société de gardiennage dirigée par un des dignes fils de la communauté de Boké. Au-delà de la création d'emplois, nous favorisons d'autres opportunités économiques dans notre chaîne d'approvisionnement. Ainsi, nous apportons notre contribution à l'amélioration des conditions de vie des communautés locales en offrant par exemple des kits solaires aux mosquées et des villages impactés. Dans les jours et mois qui suivent, nous comptons réaliser des points d'eau, construire des centres hospitaliers et offrir des équipements médicaux dans les sous-préfectures de Malapouya, Kolabouyi et la commune urbaine de Boké. Notre département des relations communautaires, ici représenté par son digne fils, monsieur Odédé, notre département des relations communautaires travaille en étroite collaboration avec les communautés. Cela favorise à date le maintien enviable d'un climat de confiance sociale. Des consultations périodiques ont lieu avec les responsables de la base des élus locaux, les autorités politiques et administratives, les partenaires et les riverains des zones impactées. C'est pourquoi nous sommes fiers de vous apprendre que de janvier à maintenant, par la grâce de Dieu, la volonté des jeunes et l'encadrement de la notabilité, nous n'avons enregistré aucune revendication sociale. C'est d'ailleurs l'occasion pour nous, Monsieur le Premier ministre, de remercier l'ensemble des composantes sociales de Boké et les communautés riveraines à notre concession minière. Avant de terminer, nous voudrons rendre un hommage mérité à son Excellence Monsieur le Président de la République, professeur Alpha Condé, et à tout son gouvernement pour les efforts inlassables de soutien aux initiatives privées, mais aussi et surtout pour son soutien aux Guinéens qui ont le courage d'orienter l'investissement dans le secteur minier en créant des opportunités d'emploi à l'image des patrons de la GDM. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement,
Il ne peut y avoir de richesse et de prospérité sans la participation active des opérateurs économiques et investisseurs guinéens. Sans le soutien aux champions locaux, il ne peut pas y avoir le service privé fort. Nous sommes persuadés, Monsieur le Premier ministre, qu'avec votre soutien, celui du gouvernement, la GDM va atteindre ses objectifs à travers l'obtention d'autres blocs aussi riches en minerais de bauxite dans la région et ailleurs, pour être très prochainement la première entreprise guinéenne exportatrice à jouer un rôle de premier plan dans l'économie minière. Nous en avons la ferme conviction que votre soutien ne fera pas défaut. Avec le président de la République, Monsieur le chef du gouvernement, vous êtes l'illustration que le rêve guinéen est bien possible. Vive la Guinée, vive la GDM, ensemble, transformons. Nous sommes heureux, comme votre représentant l'a dit tantôt, que les actionnaires sont guinéens, les ouvriers sont guinéens, les sous-traitants, y compris les transporteurs, sont guinéens, c'est une première. Ainsi, les actionnaires de la GDM sont l'illustration de, j'allais dire, la concrétisation de cette politique du professeur Alpha Condé de créer des champions dans tous les secteurs. Je suis heureux, je lui rendrai compte, qu'à Bokeh, il s'est créé un champion guinéen dans le secteur des mines qui est GDM. À Bokeh, il s'est créé également un champion en agriculture qui est Bobo, dont nous venons de visiter les plantations agricoles. Il n'y a pas de doute, comme nous l'avons toujours dit, que dans cette trajectoire vers une croissance à des chiffres, Bokeh est le levier de croissance absolument primordial dans cette axe. Je voudrais, monsieur le dirigeant du GDM, vous donner l'assurance du gouvernement et vous confirmer l'engagement du président de la République et vous appuyer de toutes les forces pour que le premier champion que vous êtes inspire et guide les pas de bien d'autres Guinéens. C'est de cette façon qu'on peut construire une Guinée pour la Guinée, une économie prospère qui profite à l'ensemble des Guinéens. Et vous êtes dans cette démarche, vous êtes dans ce processus. Je vous confirme notre soutien. Je vous remercie de votre attention, mesdames et messieurs. En date, 2300 emplois directs. Nous employons en sous-traitance 3000 emplois. Et dans le cadre du projet d'extension, nous avons employé à date, je dis employé à date, ce n'est pas des emplois permanents, mais employé à date, plus de 6500 personnes. Et actuellement sur le projet, il y a un peu plus de 2000 personnes qui travaillent actuellement sur le projet d'extension. Voilà. Concernant notre vision, notre mission, donc, c'est extraire la bauxite, la traiter et l'exporter. C'est ça notre mission, c'est ça notre raison d'être. Donc, nos valeurs fondamentales, la première des choses, c'est la sécurité de nos opérations et la sécurité de nos employés. Secondo, c'est en toutes circonstances agir avec équité et intégrité. Ça, c'est très important. Ça, c'est le deuxième de nos valeurs. Troisièmement, nous occuper de nos employés, leur développement, un traitement équitable. Ensuite, minimiser au mieux que nous pouvons l'impact de nos opérations sur l'environnement et la biodiversité. Avant, c'était un coup, par exemple, mais c'était la technologie d'origine. Alors, en dessous de l'alimentateur, vous avez donc un tapis qui va partir. Dans le bâtiment, là-bas, on remonte avec le produit. Vous avez le compresseur secondaire. Alors voilà le wagon qui bascule. Là, ils ont juste terminé les premiers réglages et donc ça va être le tout premier qu'on fait sur cette avec la chaîne complète. La connexion, non? Il n'y a pas de désaccouplement. Il n'y a pas de désaccouplement de wagon comme on le faisait avant. Actuellement, on pourra basculer les wagons comme ça. Il retournera à sa place. Non, il a les
vous avez des clames, vous avez des bras là-haut qui se sont posés dessus avec des verres. Il commence à verser, vous avez vu la Ah oui, vous avez commencé à avant. Il commence avant, avant de basculer complètement. Oui, oui, non. On le renverse complètement pour être sûr que toute la boxite est tombée. Et puis là, il retourne là. Il retourne. Voilà. Ça fait 10 secondes par wagon. L'ancien cycle que nous avions, c'était 3 minutes 20 par wagon. Au-delà de vos besoins, la capacité d'être utilisé, parce que c'est la vie d'avantage. Je vous dis que GAC a déjà anticipé. Nous avons 150 personnes au CFP de Bouquet qui sont en train de suivre des formations professionnelles pour être soit injectées à GAC ou être injectées dans d'autres entreprises. Donc, oui, ok. Il est, c'est un passionné, il est un bon collaborateur. Hein? Très bon, je sais pourquoi. Très bon.